Imaginons que tu recherches des items ou des crédits bon marché sur Rocket League. C'est très simple, il faut aller sur Awea.com qui est le sponsor de la chaîne et vous pouvez bénéficier de 6% de réduction sur vos achats avec le code RADA. Et bien sûr, tu seras livré en quelques minutes. Du coup les gars, c'est parti pour une toute nouvelle vidéo. Alors je compte sur vous pour mettre les 100 likes, pour vous abonner, pour mettre le code créateur. Ah d'accord, le code créateur qui met tout le monde d'accord. Pour ça, rejoindre le Discord et le Twitch pour trade avec moi, c'est dans la description. Alors dans cette vidéo, on va bien sûr trade. On a trade dans cette vidéo, ben c'est un peu le but, c'est un peu le titre. Et on a fait énormément de bénéfices, surtout grâce à un item. Je sais pas si je l'aurais mis dans le titre, alors je vais pas le dire, je vais pas spoiler. Et aussi on nous a demandé un conseil, enfin notre avis sur un trade. Et j'aimerais bien savoir votre avis aussi. Donc je vais pas plus vous embêter, moi je vous dis bonne vidéo, bon visionnage. 6780 crédits, on a plein d'items à revendre et on va vendre premièrement le Toon noir pour 400 crédits. C'est 400 crédits minimum. Je pensais pas que qu'il allait partir un jour et il part bah, pour le prix minimum. Je crois qu'on l'avait payé 230 ou 250 crédits, un truc comme ça. Et on a plein de Toon à vendre, donc on va se mettre prêt. Je suis plutôt content de le vendre et on le vend sur RL Trading Post. C'est vraiment très utile cette application. Blanc Titan, c'est 800 crédits minimum. Il est certif attaquant, donc on le vend middle price. Il est très dur à vendre, donc on le vend au prix du million. On aurait pu le vendre plus, mais bon, ça sert à rien de garder un item comme ça. On vend l'Octane Citron Vert, c'est minimum 800 crédits. Je vais quand même vérifier, mais normalement c'est bien ça. Et oui, c'est bien 800 crédits contre Interstellar Citron Vert. C'est 800 crédits plus éruption solaire, ça fait 900 crédits au total. Parce que éruption solaire c'est 100 crédits. Et l'Octane Citron Vert, ça ne me servait à rien de la vendre contre Interstellar Citron Vert. Parce qu'il est beaucoup plus dur à revendre que la Octane tout simplement. Donc on échange la Fennec. Pourpre, la Fennec et Bomba Singularité, du coup ça fait 1500 crédits minimum. Et il y a Étincelle Blanc Titane et Poly Explosion, ça fait 2200 crédits minimum, donc 700 crédits de bénéfice normalement. Mais le je prends Étincelle Blanc Titane à ce prix là parce que sinon, ouais, ça m'intéresse pas trop. Étincelle, je sais pas si c'est facile ou dur à revendre, mais bon, on le prend quand même vu qu'il y a potentiellement 600-700 crédits de bénéfice. Mais le prix vient juste d'augmenter, donc on va bien voir. Donc on échange pas mal de... Je sais pas comment en vrai ça... Je sais pas en vrai comment ça se prononce. 7 items et on les échange contre 2 trade-up. Bah 4 trade-up, il y a du peu courant et du très rare. Mais bon, c'est des items, on s'en fout. C'est des abonnés souvent qui nous les donnent. En vrai, on s'en fiche un peu de ce genre d'items. Mais bon, ça fait plaisir de récupérer un peu de trade-up. Mais ce qui est dommage, c'est que ça a bugué. Donc normalement le trade va se faire. Et oui, en ce moment on est en live sur Twitch et du coup pensez à nous rejoindre, c'est dans la description. Donc on échange notre Dominus bleu ciel qu'on a payé 2900 crédits plus anodisette contre 2660 crédits plus gel plus spectre plus sur la vague. Qu'est-ce qui s'est passé là? Quoi? C'était quoi ce truc? Donc il y avait eu un gros bug, donc je disais ma Dominus Bleu Ciel, je l'ai payé 3000 crédits, 2900 crédits plus anodisette, ça faisait 3000. Et là au total, je vais recompter vite fait parce que c'est quand même un assez gros trade pour moi vu que j'achète tout le temps que des petits, trucs. 500, hop, plus. Ok, c'est nickel, il y en a pour 4810 crédits, sauf qu'il y a Bomba Singularité, Bleu Ciel, Zomba Bleu Ciel, c'est vraiment des items pas du tout évident à revendre. Et mais bon, on fait quand même près de 1800 crédits de bénéfice si on arrive à revendre ces items. C'est vraiment bien. Donc merci beaucoup à Thomas, il nous a mis plein de cadeaux. J'ai demandé 150 crédits à Nolan, c'est on lui avait échangé la Fennec pourpre, là du coup il recherche un peu des stickers dessus, du coup je lui ai demandé le prix minimum. Et donc il me donne 20 crédits en plus, donc merci énormément à toi, Nolan. On achète Interstellar pour 680 crédits, c'est minimum 750. On a mis 480 crédits plus électrochoc qui coûte 200, 680. Interstellar, un item qui part bien, c'est cool.
Donc on est avec Noah, mais il nous a dit qu'il avait changé la Octane Blanc Titane contre tout ça. Donc il pense s'être fait arnaquer, mais en vrai je pense pas. La Octane Blanc Titane, elle est actuellement à 9200 crédits, je crois. Elle est à, oui, 9200 crédits minimum. Donc là il en a au total pour 9740 crédits. Il y a la Dominus Blue Cell, c'est 4500, Fennec 500. Sauf que en fait le problème c'est qu'il a des items qui sont vraiment hyper durs à revendre, comme Octane RLCS, les Tunica Grise, et il a plein de Stégosaures. Et ça, s'il arrive à avoir toute la collection et qu'il la revend en une seule fois, il peut avoir la revendre facilement beaucoup plus cher que le prix maximum. Donc en vrai, il a bien fait sur ce On trade. achète 20x6, c'est 350 marées montantes, c'est 550, ça fait 900 plus l'auréole bleu ciel, c'est 300, ça fait 1002, et donc 200 crédits de bénéf pour nous. On trade avec Gogo, et c'est bon, le trade a fonctionné. Et on trade avec Gogo, il nous donne deux trade up, Dominus, Chasseresse et tout, c'est vraiment très sympa. On vend les Gernos Grises à Diablo du 15, on trade avec lui tout le temps, mais vraiment tout le temps. Et on les vend au prix minimum 200 crédits, il nous a mis un petit NC. En vrai, elles sont vraiment stylées ces roues-là. Et on vend Toon, c'est minimum 100 crédits, mais Ludo il savait déjà, tous les items à 100, tous les marchés noirs à 100, on les vend 130 crédits. Et il nous a mis un drapeau à damier noir, ça me rappelle tant de souvenirs, quand les items ils étaient encore chers. Et on trade avec Thomas, c'est celui qui nous a acheté notre Dominus bleu ciel. Et du coup on devait lui prendre standard, Diessie et Poisson Mou, au total il y en avait pour 350-400 crédits pour la... Pour l'auréole bleu ciel qui vaut 300 crédits minimum mais qui va vite augmenter à 350, je pense, voire 400 crédits. Et il me dit j'ai un cadeau. Et en fait il nous met Neyoyo qui vaut 300 crédits. Neyoyo, je sais même pas si ça se prononce comme ça. En fait il nous met le prix de l'auréole. Ouais, ça vaut 300 crédits. Donc merci beaucoup à toi Thomas, ça fait vraiment super plaisir. Bon, ces roues-là, ça fait hyper longtemps que je les ai, elles sont très dures à revendre. Mais bon, ça fait quand même plaisir. Et on fait de la pub pour notre Twitch encore, mais regardez Xemtix, il était là sur Twitch, on n'a pas live depuis 7 mois, il me dit wesh BG, tu dates et tout. Donc on Et achète. Glorifia à Xemtix, et j'ai pas vu, il nous a mis un cadeau du coup, une petite roue importée, un trade-up quoi. Ça fait plaisir, 200 crédits glorifiés. On va le revendre 250, c'est 250 crédits minimum. Une très bonne affaire, et c'est très rare de faire des très bonnes affaires sur RL Trading Post. Alors on échange Interstellar qui vaut minimum 750 crédits. On l'échange contre 710 crédits. Et Garde Tempête, ça fait 1010 crédits pour Interstellar. Je comprends pas pourquoi il y a ça sur le Trading Post. C'est vraiment super rare. Je vends Force Razor 2 pour 170 crédits. C'est minimum 150 crédits. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Alors je compte sur vous pour mettre le petit like. N'hésitez pas à me dire votre avis sur le trade de Noam. Je crois que c'était lui qui a vendu sa Octane Blanc Titane. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé.